Le conseil de participation, bien donc après une campagne d'information, de sensibilisation au niveau de Gosselies, réalisée par le service de cohésion sociale, donc nous avons été amenés à nous investir, à nous impliquer, et donc nous avons rentré notre candidature et nous avons été sélectionnés par tirage au sort. Pour 2017, nous avons surtout fixé notre objectif sur la réalisation d'un marché local nocturne. Il faut savoir que depuis l'implantation de City Nord à Gosselies, donc les commerçants ont mis la clé sous le paillasson. D'autre part, il y avait un marché le samedi matin sur la place des Martyrs qui a cessé d'exister puisqu'on a rénové la place et que l'infrastructure ne convenait plus pour la réalisation des marchés. Et donc, spontanément, on s'est dit qu'on devrait pouvoir mettre en place un endroit, un moment où les gens puissent se retrouver, vivre quelque chose ensemble dans toute convivialité. Et donc nous avons, avec la complicité de l'ASBL Pro Durable, nous avons mis en place un marché pour redécouvrir les valeurs du terroir, pour aller à la rencontre des producteurs qui habitent tout près de chez nous, donc pour réduire la distance entre le producteur et le citoyen, et ainsi donc développer davantage un comportement plus respectueux de la nature et de l'environnement. Étant donné l'engouement suscité par le marché l'année passée, nous allons évidemment reproduire et renouveler ce marché nocturne, donc de cette année-ci, de mai à octobre, donc en essayant d'amplifier les animations, soit ludiques, soit plus en rapport avec le thème qui nous occupe ici, donc le terroir et la nature. Et donc c'est pour cette année-ci, à côté du marché local nocturne, deux projets sont en préparation. D'une part, le projet Apéro Citoyen. Donc, comme notre CP a été élargi depuis peu à Jumet et Ransart, donc nous voudrions en alternance mettre en place un Apéro Citoyen à Gosselies, puis ensuite à Jumet et à Ransart. Le but, c'est de faire connaître davantage le CP à tous les citoyens de l'entité et du district. Et par la même occasion, de connaître un peu leurs souhaits, leurs desiderata par rapport à leur quartier, afin que nous puissions le relayer à l'autorité compétente. Ici, notre échevin de la participation, Serge Beguin.